Odé, salut tout le monde. Oh damn, hello everyone. Parle anglais là. Ouais, j'ai demandé aux gens qui nous suivent de nous poser des questions. Et il y a plein de gens qui ont posé des questions en anglais. Ah ouais. Parce qu'on a plein d'Américains qui nous suivent. Ah d'accord. It's a lie, but I just want her to be happy. Si tu es heureuse, Daniel, I am happy. Je suis heureux. Je suis heureuse. Ah bah je suis heureux alors aussi. Mais c'est loin, les Américains. C'est au moins à 20 bornes. Yes. Parfois tu m'entendras parler anglais parce que je traduis pour eux. Daniel here, she's so fucking hot. This summer I saw her in a bikini. Oh my god. The body she has, it's like a man. Oh là, tu dis des conneries là. Ah non, pas du tout. J'ai entendu bikini. Première question, Daniel. Comment va Soleil? Oh, il va très bien. Soleil, c'est mon chat et c'est un amour. Comment vous voyez l'avenir à tous les deux pour votre chaîne? Bon, la question, en gros, c'est comment est-ce qu'on voit l'avenir? Oh, bah, l'avenir jusqu'à même 80 ans. Hein. Tu veux faire des vidéos jusqu'à 80 ans? Oh, ouais, on y va. À quand un nouveau voyage? J'aimerais bien partir aux Seychelles, à l'île Maurice. C'est pas difficile au moins toi. Ah non, je fais les voyages, moi c'est pour mon petit papa et ma petite sœur. Je sais pas si tu vas vouloir répondre à cette question, parce que c'est sans doute un secret que tu gardes pour toi depuis des années. Quel est ton secret pour être aussi belle? J'en sais rien du tout. C'est marrant parce qu'elle répond au premier degré. Ah ouais, mais moi ce qu'il y a c'est que je fais très attention à ma peau. La confiance est ultime. Voilà, je me mets une bonne crème, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Mais je fais rien d'autre, hein. Je suis né comme ça. Ah d'accord, ok, voilà. Très bien. Et je souris beaucoup aussi. Daniel a toujours la patate. Prend-elle de la drogue? Ah non, bah non. Est-ce que tu prends la grosse tête avec le succès? Pas du tout. Alors là... Hein? Ah non, je dis rien, moi. Ah non, pas du tout. Moi, je t'écoute, hein. Moi, je fais mes courses avec mon caddie. Avec moi, parfois, tu penses que je suis un peu ton... Mon esclave? Oui, oui, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça fait longtemps, le loup. Daniel, quand est-ce qu'on aura le droit à un album? J'aimerais bien faire un disque. Allez voler, Milo, sonnez à ma porte. Pas sûr que ça ait beaucoup de succès. Bah, j'ai la voix d'Edith Piaf. Hein. Ouais, 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 ouais. Daniel, est-ce que tu portes encore des ballerines? Oui. Non! Impossible! C'est pas possible! Combien de petits copains a eu Daniel dans sa vie? Des amis ou des copains? Non, des petits copains. J'ai eu mon mari. Monsieur Dubois? Ouais, bah tu le penses, j'étais jaune. Est-ce qu'il y a eu d'autres à part les deux? Non. Daniel, est-ce que tu es prêt à arrêter la cigarette? Je réponds moi, non. Daniel, est-ce que tu pourrais te remettre en couple un jour? Jamais. Ça fait 35 ans que je suis seul, je pense supporter un bonhomme, hein. Daniel, est-ce que tu es heureuse? Ah ouais. Ah oui, je suis très heureuse, moi. D'abord, je suis très heureuse avec ma famille. Et maintenant, je suis très heureuse parce que j'ai quelqu'un à qui parler. Soleil, mon bébé. Et mon loulou, quoi. J'ai été cité après de chat, quand même. Est-ce qu'un abonné t'a déjà emmerdé? Ah non, jamais. Ah, moi, si, je me rappelle d'un mec. Ah oui. Tu te rappelles au Havre? Ah oui. Et il nous attendait à la gare. Il faisait peur, même. Il faisait pas peur parce qu'il était jeune. Il nous avait suivis pendant 25 minutes. Ah ouais. Juste, il nous suivait. Il disait rien. On lui disait ça va et tout. Il disait... J'étais tranglé. T'as eu peur? Un petit peu, ouais. Ouais, mais il pouvait pas nous faire du mal. Ah, tu sais, regarde, John Lennon, il émerge un coup de couteau quand même, hein, par un fan. Ouais, c'est vrai qu'en plus, sa popularité est comparable à celle de John Lennon, donc... Est-ce que vous aimeriez habiter tous les deux ensemble pendant une semaine? Ah non. Une semaine, on pourrait se supporter. Ah non. Et si on te propose 10 000 euros pour une semaine? On n'aime pas. 100 000? Ah, même pas. Arthur ou Soleil? En gros, si l'un d'eux devait disparaître... J'aime mon Soleil, je t'aime, Lou. Ah, faut choisir. Choisis les deux. Non mais Daniel, me dis pas que tu me mets à la même hauteur que ton chat, que t'as depuis deux semaines. Dis donc, Loulou, je l'aime. Ah, she's a fucking bitch. Je traduis, hein. Ça veut dire que, ouais, tu peux pas choisir. Daniel, est-ce que 22 ans, c'est trop limite pour sortir avec toi? Oh bah ouais. Daniel, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? J'étais un dinde. C'est pas que j'étais nul, c'est que j'aimais pas l'école, quoi. Il y en a qui sont vraiment bizarres, hein. Daniel a-t-elle déjà fantasmé sur Arthur? Bien sûr que oui. Bah bien sûr que non. Hein? Bah non, Loulou, jamais. Ça veut dire que toi et moi, Ah bah jamais. Ah non. Daniel, montre-nous ton mari. Photo. Ah. J'avoue, il était beau gosse. Il était beau gosse, mais j'étais cocu. Ah. Mourir brûlé ou mourir noyé? Aucun des deux. Daniel, est-ce que tu as déjà vu un extraterrestre? Oh bah non, jamais. Pourquoi tu ris? Tu m'as dit que tu avais déjà vu la Dame Blanche. Ah oui, la Dame Blanche, ça existe. C'est pas un extraterrestre. Daniel, est-ce que tu aimes les manèges à sensations fortes? Ah non, je suis comme toi. Tu sais, quand on est dans la roue, je porte la roue, elle se casse la gueule. Depuis combien de temps est-ce que vous connaissez tous les deux? Entre 8 et 10 ans, je dirais. Ça passe, hein, Lou. Eh, ça passe, Daniel. Comme tu dis, le temps passe. Daniel, est-ce que tu comptes déménager ou tu vas rester dans ton appartement actuel? Je reste.
Okay. C'est tellement bien. En plus, on habite juste à côté, donc c'est pratique. Ah ouais, ouais, c'est bien. À quand une vidéo avec Monsieur Dubois? Faut absolument faire les retrouvailles. Oh bah non, je vais être vieux maintenant. Si toi, tu es le petit-fils ou la petite-fille de Gérard Dubois, contacte-nous. Ah non, parce que non, c'est pas bien ça. Bon, nous contacte pas alors. Bon. Daniel, est-ce que tu as la patate? Ah oui, j'ai toujours la patate, moi. Daniel, est-ce que tu préfères les films d'horreur ou Arthur? Oh, c'est compliqué, ça. Moi, je préfère les deux. J'aime bien les bons films d'horreur, tiens, quand je vais rentrer, je m'en tapais un, tiens. Tu préfères la mort ou Arthur? Ah, toi. Ah, ok. Ah, bah ouais. J'ai envie de me faire tatouer le visage de Daniel, est-ce qu'elle m'autorise? Bah oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est plus lourd, un kilo de plume ou un kilo de plomb? Bah, un kilo de plomb. Monsieur Pignon? Oui? C'est lourd, le plomb. Je pense. S'il y a un kilo d'Arthur et un kilo de Daniel. Ça fait 2 kilos. Qu'est-ce qui est plus lourd? Bah, moi. Daniel, le mot de la fin peut-être? Chat chat, gros bisous, je pense très fort à vous. Je rajoute un truc en anglais pour les fans américains. Ouais. Please write a lot of comments in English. Like this, you will think that a lot of Americans are following us. Steeler, hey hey! Hey hey! The table, the chaise. Big dick. Big dick. Les Américains, ils savent plus de choses que nous, on sait la France. Les Américains? Oh, ils sont intelligents, les Américains. Ciao tout le monde! Chat chat, I love you! Et mettez un pouce bleu sur la vidéo, hein, les enfants. Et abonnez-vous, hein. Ciao, ciao.